Et salut à tous, c'est Virgile, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'extérieur, mais je ne suis pas au Grand Rex. Le Grand Rex est juste derrière, là-bas au fond. On se retrouve au Max Linder Panorama pour l'avant-première de la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Chronique Fiction. Voilà, c'est une chaîne YouTube que j'aime particulièrement. Il faut une avant-première pour leur nouvelle vidéo sur le nouveau personnage, le prédicateur. Voilà, on avait déjà le coroner et l'avocat, et là un troisième personnage, le prédicateur, voilà, qui va parler des films post-apocalyptiques. On va voir ce que ça va donner. Il y a plein d'animations qu'il va y avoir, de ce qu'on nous a teasé. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur, ça a l'air d'être dingue. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Il y avait une longue file d'attente dehors, on a tous allé pas rentrer, mais tout le monde est rentré apparemment. Oui. J'avais parlé à deux personnes, les deux derniers de la file. Ah, c'est vous deux. Ok, on est en train de refaire. Je voulais dire un petit mot. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous ai remercié si nombreux. En effet, on avait un doute si tout le monde allait pouvoir rentrer, mais a priori, c'est plutôt bon. Et puis il y a des marches. Ça fait plaisir de vous voir parce que bon, j'ai quitté là il y a 8 ans. Quand une poignée. J'ai pris les chaises. Avec moi, on projetait nos deux courts-métrages de l'époque, Little Pine Blood et Dozen Way. C'était ici. C'était en 2014. Exactement, la boucle se boucle un peu, puisqu'en fait, ces deux courts-métrages, c'est d'un côté un teaser pour un long-métrage, et de l'autre côté un pilote pour une série. Et donc, c'est en 2014, et 4 ans plus tard, finalement, on n'a pas réussi à les produire. Donc, on n'a pas réussi à faire des long-métrages des séries. Et on s'est dit, le système français n'est pas de nous. On a trouvé un système alternatif pour se reproduire, pour faire des choses et pour aller chercher le public. Et on a créé Chronique Fiction. Ceci étant, s'il y a des producteurs dans la salle. Vous savez, je ne vais pas parler après la projet. Voilà, du coup, la boucle est bouclée, puisque maintenant c'est un troisième personnage. Ça fait 4 ans qu'on a fait Chronique, donc ça fait 8 ans qu'on a sorti ce court-métrage. On lance un nouveau perso. Et on s'est dit, Max Linder, symboliquement, on revient ici. Parce qu'en plus, cette personne fait passer un cas cinématographique, donc ça va. Les gens parlent mieux que ça de court-métrage, et ça passe comme si c'était un chronique. Et donc, c'est une façon de revenir ici, de recélébrer ça avec vous, et de rediffuser ces court-métrages 8 ans plus tard. On ne les a pas vus plus longtemps, moi, ça fait longtemps. Non, pareil. Ils ont quand même. Oui, tu as pas même tourné en festival. De son web, c'est vrai que quand c'était un pilote, c'était bien plus potentiel, peut-être. Exactement, ça peut être aussi montré. Donc, voilà, on va montrer deux court-métrages. Il y a un petit mot de quelqu'un qui est pas là, malheureusement. Et après, le premier épisode du prédicateur, on se retrouve après avec deux personnes sur scène pour répondre aux questions. Mes chers fidèles, bonsoir à Paris, est-ce que vous êtes chaud? Encore plus de bruit pour Vincent, s'il vous plaît. Vincent Lennel, le prédicateur. Merci. Ah, il est pas mieux, évidemment. Il est pas mieux, c'est un peu. Il est pas mieux, c'est un peu. Il est pas mieux, c'est un peu. Devenez un loup. Bien. Ouah. L'avant-première vient de se terminer. C'était incroyable. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, je voulais absolument faire cette petite vidéo sur Chronique Fiction parce que ils méritent 10 fois plus de ce qu'ils ont sur YouTube. Pour l'instant, ils sont à plus de 700 000 abonnés
Il mérite clairement d'avoir le million, ça c'est sûr. On nous a présenté deux courts-métrages de Mike et Fabio, donc les réalisateurs de la chaîne, voilà. Plus le prochain épisode de la chaîne sur le prédicateur, comme vous l'avez vu. Pour faire un petit retour, voilà, c'est incroyable. Des frissons tout du long, une voix tellement mais charismatique. La vidéo normalement sort, si je dis pas bêtise, attention, je vais pas me tromper, le 25 mars. Ben voilà, attendre mes petits cocos. Non mais en dehors de ça, la vidéo était géniale. L'avant-première incroyable, on a pu discuter avec tout le monde en fait, avec les réalisateurs et même les acteurs, voilà. Donc c'était une expérience incroyable. Je vous invite très fort à aller soutenir cette chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le cinéma comme d'habitude. C'était Virgile, à la prochaine. Ciao.